C'est pas pour la première fois qu'on a fait lui, mais pour que l'on ait fait ça, il y a un caractère spécial par rapport à tout ça que je dis, par rapport à tant de médias, surtout les médias dans le département, les médias dans le pays. Donc, il y a 19 mois, on a fait les jours. On a installé le 4 juillet 2016, je dis à ce 28 février 2016. Donc, 19 mois, ça, nous identifier 4 moments. Il y a un moment d'observation qui a été le mois de juillet au mois de septembre. Il y a un moment de réflexion critique, surtout après le passage du cyclone Mathieu, où il y a des degrés de fragilité du local, des bâtiments sud. Ça a alimenté la réflexion nous, pour nous orientation que nous allons faire ensemble action que nous allons prendre. Jeudi, il y a plusieurs plans, soudain, il y a plusieurs études. Pendant nos arrivés là, nous travaillons avec un film de réunion financement de la ville. Et cette année, la étude, action va commencer peut-être cette plage. Mais pour nous arriver encore à action, depuis nous arriver là 4 juillet, tout en a parlé des jeux, des jeux, des jeux. Et là, nous avons fait plusieurs présentations et études qui ont fait tout gelé jusqu'à ce que nous arrivions. Donc le financement et action, nous allons commencer à faire à l'instant. Fond de mer de la ville des Caïques, c'est même question avec nous. Des financements, y compris la place Simon Bolivar. Tout est tout ça au fini. Moi, je suis en étude à finir. Il y a des études qui vont finir, mettre dans le tiroir parce que pour qu'il y ait l'argent. Mais pour fond de mer, première partie, il va commencer à venir ça. Parce qu'il y a l'argent pour lui, il va chercher pour lui. Là. Nous devons parler de l'hôpital général au Caire. Chaque fois la pluie tombe, nous ressentons. Nous pas chiter à garder. Nous devons chercher un donateur. Moi, négocier avec la famille du Massé, pas pour la première fois, on va dire ça. Nous baillons la vie, toi, car on est terre. Nous nous dit qu'on est terre, pas par l'humain, un point. Finalement, toi, car on est terre, pour nous construire l'hôpital général au Caire. De négociation. Et l'année dernière, héritier de ma carrière en Haïti, moi-même personnellement, j'ai voyagé, j'ai profité à la Wélichienne du Mar, des 13 ans. J'ai autorisé nous à faire un campagne à Aroua pour l'hôpital de la Wélichienne. Question à Aroua, on ne va pas les soutenir parce que le président personnellement, il est venu dans la carrière. Bonsoir. Je vais c'est pas seulement l'aéroport. Il y a un projet qui est financé encore par la ville, le ministère du Commerce, et les départements qui commencent à travailler sur le micro par industrie et nous, nous-mêmes au cas, nous sommes en retard parce que nous avons des terrains. Moi, je négocie avec deux groupes de prétendants parce que nous avons des terrains, ça va le valer de l'IA, c'est un terrain en conflit, et il y a un monde qui a compté sur nous. Négocier avec deux groupes, que ce soit Colt, le Mont Colt, ou bien les Roches et Morco, pour nous envoyer. Nous entendons que le micro par industriel là, il y a le fait du terrain, c'est la salines, c'est la vie à midi. C'est un moment où nous devons nous faire rêver, où nous pouvons arrêter, mais ça fait mal. C'est tout un processus. Avec ça fait, pas qu'on commence au travail parce qu'on va être quelqu'un. Pendant 19 mois, finalement, nous sommes capables officiellement du coup, pas comme si c'était le cas là. Parfait, pour pouvoir se regarder ça dans le monde, on négocie. Et Raymond Paul, après que lundi au Caire, pour la souterrain à eux, nous sommes regardés ça dans le monde. Matin encore, pour faire ça. Nous arrêtons, puis nous apprenons, nous apprenons. Tout le monde apprenait qu'il s'en fait. Irritant pour un peu le monde qui est dans la presse,
de chaque jour dans la journée, et n'a pas nous pas construire. N'a pas démoli, mais nous pas construire. Nous pas démoli en fait. Nous avons 3 à 4 côtés pour nous faire démolition, mais qui va représenter 30% du côté qui est pour nous faire démolition pour construction. Mais pour que ça nous démolit avant, on a ça. Démolition est importante. Si on prend, par exemple, le cas de Cachemire, la femme, les hommes n'ont pas de la réponse. Pour étude d'affaires sur Cachemire, qui nous moderniser. Et maintenant, on travaille par mon mairie, comme dans l'espace qui est disponible. Ce n'est pas ni président, ni premier ministre, ce n'est pas une peine de moi. Ça, c'est le rôle de la mairie pour qu'il rende l'espace là disponible. Et c'est ça le fait à Chemin. C'est ça le fait à Chemin. C'est ça le fait là-bas. Et que 3 études topographiques qui font déjà tout à Chemin. Avant qu'on se cache meilleur, nous démolissons. Mais nous avons constaté après que nous commençons le construire. Pour le construire, nous faisons un partenariat avec la différence de l'eau. Étant donné que les terrains, il y a pour qu'il y ait des limites à commissariat, nous faisons un partenariat avec lui, rester inquiété à Napalé. Il dit, mais la financer construction comme ça, mais il y a bah, seulement des matériaux de base. Ce n'est pas dire pour rien qui fait que vous allez dans la vie. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous faisons un partenariat. Et un partenariat public-privé pour le gouvernement haïtien pour faire promotion. Toute mairie pour faire promotion. Ça. Et puis nous-mêmes, nous disons, on a complémenté le poste à construire. Tout le monde qui est subi quand même une sorte de préjudice, l'a démoli, la mairie des tailles, avec les propres de la mairie, libre comme ça, une compensation, pas dit dédommagement, non pas dédommager, nous, mais nous baillons le minimum, que ce soit partiel, que ce soit la FAMA. Que ce soit Kouamati, que ce soit Cachemin, on va nous définir du monde. Cassiel nous va intervenir Cassiel de façon anarchique. Il y a une étude qui commençait par ONU Habitat et qui va poursuivre là avec les fonds de l'Union européenne à hauteur de 4 millions d'euros sur l'extension de la ville des Gap. Partant de là, nous disons, étant donné que ville ça, première, deuxième, grand, une casse jusqu'à nous, nous commençons ce travail-là. Et nous invitons le ministère, car on dit, le ministère de l'Église, pour faire étude de drainage partiel. Effectivement, le ministère de l'Église commence à faire étude de drainage du ciel. Il va aménager correctement. Et que le président prend engagement pour que Cassiel, le petit de l'hôpital, route soit fait. Et ce n'est pas des routes de débattues, route soit asphaltée, des pédules. Nous commençons. Et la visibilité, là, nous dépensons plus l'argent à Cassiel pour faire ça ou en faire, faire des voies de fédération, permettre que le DPTC lui-même est capable de faire étudier encore. Nous avons été dans une zone préfète. Nous venons là avec le certificat, l'avantage que nous faisons. Nous avons un ensemble d'institutions de l'État qui mal logées et que nous entendons avec les responsables. Nous pouvons construire des espaces. Nous avons ONA qui va le construire dans une zone en terrain d'Arnaud. Oui, faites bien. Nous ne dirons pas. L'homme dit ça, c'est nous faire avantage de nous déjà. Nous faire avantage. Nous ne dirons pas quel est le cas.
Donc on ne peut pas faire au plan d'aller, mais il faut aussi au plan d'aller. Mais il va construire des sous-côtés également. Donc il y a une faresse qui va construire le départemental de là. Donc il y a BLC qui bénéficie du coin vers le Mapou qui va construire. Dans notre succursale, une succursale très moderne dans ce monde. Donc c'est un nouveau quartier que nous-mêmes nous avons aménagé et le palais municipal va le construire au centre des différents niveaux de Kassaïo que nous allons partir déjà. Et nous faire un pointage de déjà pardon pour que nous commencions. Ce n'est pas parler d'un palais, c'est action. Et ma répété tous les 19 mois. Action et engagement nous prend pour commune locale, pour ville des Gagnes. Pendant 19 mois, on va tomber 19 années sur le passé, pas de ça, mais c'est tout aussi. C'est 19 ans en face de 19 mois. Et 19 mois par mois, là. En moins de 19 mois, nous avons orientation que ville ça reprend. Je dis que ma chaîne est en train de faire mais elle n'a pas fait rien. Toute la vie, c'est marché, effectivement. Mais nous pas d'être privé. La privé ma chaîne, là, nous pouvons faire. Nous pouvons faire parce que nous pouvons faire. Nous avons préparé. Tous les journalistes sont capables de constater du côté de quoi mentir. Travail rémunéré, il m'a fait pour nous commencer à mettre ma chaîne. Ma chaîne qui est ma chaîne jeudi et ma chaîne bébé qui est tout là. Tout journaliste qui est capable de constater, travaille dans le ciel encore pour mettre ma chaîne. Nous pouvons être au mois d'avril en après, et le 20 mars maintenant avec la première dame, nous lancer la question marché public pour ville. Pour mes souvenirs de la TV, et c'est du moins qu'on annonce la paix. Marché qui devant sa cœur là, il est placé en moi. Et qui est pour le démolir, effectivement. Il va le démolir. Entre temps, on a négocié pour acheter, on mettait dans le budget de l'IA, pour faire acquisition de deux espaces assez importants du côté de partiel. La travail, c'est que c'est ça qu'on a acheté deux terrains à eux pour qu'on construise un marché pour une population. Marché, ça n'a pas arrêté là pour deux raisons. La première raison, c'est une raison très technique et qui est dangereuse. Le marché n'a pas fait pour le débrayage. L'administration communale de la rue, pour qu'on ait fait plus la quête, de mettre des étages sur le marché et de graffiti avec le marché. N'importe 4.5 qui passe en termes de séries, donc on dit ça, ça va pas bail comme maintenant résultat. Deuxième raison, c'est un marché qui paralysé le quartier de Sabekeur qui logeait église, école, etc. Il y en a plus de quartiers qui gagnent dans l'histoire de l'homme. Pour obliger les autres pour faire ça. A commencé à partir dès cette année. C'est question graduellement démolition des placements marché qui n'est pas salué. Gouvernement qui l'a, toutes mes réunions fait tout, travail en collaboration avec le gouvernement. Et si nous avons écrit finalement, le dernier qui a été fait au cours de cette semaine, pas tellement bien, bon rapport. Avec ce. Nous avons un problème foncier. Premièrement, le système foncier noir, c'est des petits fourriers. On a deux carreaux, trois carreaux. Particulièrement dans le sud, nous n'avons pas des rounds, nous avons 200, 300 carreaux, des chefs de nom. Nous avons fait une promotion de fermes agricoles communautaires. Regrouper les petits dimanches mobilités. Pour nous monter des fermes de 200, de 300, de 400 carreaux pour exploiter de l'eau. C'est pas par en bouche, nous négocions avec le coordonnateur national de la caravane
ancien ministre Jacques Oumou. Et très bientôt, qui pourrait une faire présentation pour les planteurs de la plaine des Mailles. Deuxième problème, c'est la question de l'insécurité foncière. Pour pas capable de faire promotion pour faire ma vie au commentaire, pour pas capable de faire promotion en industrie, lorsque malheureusement, malgré toute cette salle de dans le sud, personne ne va arrêter encore dans le sud. Donc bon matin, on comprenait Dikembe, bien associé avec l'État, paquet, juge, dans le fait, noté à monter, nous monter une sorte de plusieurs sortes de. L'association des malfaiteurs, donc on parlait dans le sud. On parlait avec Pater, parce que Pater lui-même, qui aurait pu les responsables sur ça, légalement le soir, mais Pater est impliqué dans quelque chose. Parce que trop souvent, on est preuve, palpable. Eh bien, le monde qui n'est pas pitié, eh bien, ça va faire au bal pour tes palpables. Donc c'est un problème pour résoudre nous-mêmes. Il y a une charge pour faire promotion à l'industrie, pour faire promotion à l'agro-communautaire, pour faire respecter les droits de propriété. On a partagé ça, nous lancer, et on a bien. Et si là, nous avons invité local, on a une commission nous va monter, pour que nous fassions face à ce phénomène. Nous réunions avec, dans la salle, plusieurs réunions avec. Des jeunes ingénieurs au CAE qui étaient des films. Mais on n'a pas de mettre que c'est des films qui les faibles. Ils n'ont pas l'argent, ils ont monté matériel. Nous demandons pour recouper et recouper pour monter une sorte de société immobilière parce que la façon que nous construisons et la façon que Bidonville nous montre, si nous voulons vraiment exploiter le potentiel touristique, nous ne sommes pas capables de continuer comme ça. On a fait promotion, ça vient des éco-quartiers. Et avec cette société immobilière, avec films, ça, les films locaux, on va regarder comment pour que ce soit capable d'une réalité actuellement avec le support du gouvernement. La question de l'énergie, c'est une opportunité de présenter. Déjà que les hommes d'affaires au CAI qui manifestaient, qui ont même participé à l'appel d'offres, le premier appel d'offres qui fait tout. Un groupe qui est l'énergie et pas mais qu'on a travaillé pour monter sur ce que ça, pour qu'ils soient capables de faire entrepreneur au caillou, investir au caillou, investir avec deux films qui viennent vider la solution que vous avez cherché sur l'énergie. Donc c'est tout ça qu'on a fait pour faire promotion et développement au caillou. Parallèlement, nous travaillons, nous avons un rapport avec la direction départementale de la police. Même si le directeur général l'a dit, il va reconnaître la question de police municipale ou police parlementaire, mais c'est bien une réalité. C'est une nécessité. Il doit reconnaître, il faut le constater, il a constaté que la police municipale yo, a fait du bon travail, souvent en collaboration avec la police. Et souvent, il est côté la police pas privé, il est même obligé de revenir. Il revient au gouvernement, au parlement, pour un projet ou une proposition de loi sur création, fonctionnement et financement de la police municipale. Il n'y a pas de pacte qui est capable de faire le coup sur la question de la police municipale là, parce que c'est grâce à lui-même qu'on a mis avec la police nationale. Et nous baillons minimum des élus. Que chaque monde fait travail, mais il n'est pas question, je dis, pour dénoncer la police municipale qui c'est une nécessité. D'ailleurs, parce qu'aucune section communale dans le pays, il y a des policiers. Aucune. Nous-mêmes nous prenons devant, d'ici deux mois, chaque section communale dans la commune Panoua, après le tribunal d'ailleurs, a des trois polices avec les policiers rurales. Et qui fait partie des polices municipales. On a bien 18 policiers rurales là, avec un commandant. 19 comme garçons. Et ça veut dire qu'on a renforcé la police municipale, qui est nécessaire pour nous capables de faire le travail que nous voulons faire.
ça, nous, pour ce dinon-là, il y a fait un environnement d'hostilité des populations. Et je dis à la population qu'on voit, toute population qu'on voit, nous allons dans la vie. Mais trop souvent, on oublie les voir. On n'a pas parlé avec nous là, toutes les rios, il y a des taxes sur les prolocatives, pas quelques rédévances municipales. Mais pas que 5 à 6% de monde dans la commune locale, dans la ville locale, qui a quitté ou des devoirs, des obligations. Mais je dis à tout le monde, il faut qu'on fasse plus. Oui, il faut qu'on fasse plus. On ne comprend pas ça. Mais avec moyen qu'il a fait plus, là, il passe de l'autre côté qui est notre poche, population, avec taxes, impôts, rédévances. Profiter de cette conférence de presse pour nous dire nous voulons le travail, nous voulons continuer le travail, nous voulons faire action, nous voulons faire action, mais au même temps, il faut que nous prenions responsabilité par eux. Il faut que nous fassions deux fois par eux. Nous allons commencer à aligner des brigades fiscales dans toute commune à partir du mois de mars. Le délai légal, c'est 31 mars, mais nous-mêmes, nous allons aller jusqu'au 30 avril. Étant donné qu'il y a des problèmes à la DGI, parce qu'il y a un tout à la pays, il y a des problèmes de tracassier administratif, de lourdeur administrative, qui fait mon retourner à Cobla. On a pris le directeur général de DGI, on a dit qu'il y a un registre parallèle, qui garde sous contrôle DGI et plus supérieur. Donc il y a un tracassier, on ne peut pas retourner à Cobla, on va tout payer. On va obliger de. Et le délai légal a fini passé. Nous avons commencé à travailler avec des cabinets d'avocats, des gens qui ne payent pas pour que la banque n'ait pas de problème là. Pour une entreprise, on va payer la banque, on va payer les locatifs. On va bloquer. Bon. Et puis, ce n'est pas nous qui payons 20%, c'est nous qui payons. Nous avons commencé à faire un transfert d'argent des étrangers, mais à l'adresse pour nous pour payer les locatifs là. Ou pas les payer les locatifs là. Vous pouvez voir que nous n'avons pas d'accord avec vous. Parce que pour payer. Donc nous allons agir sur deux aspects sérieux pour que nous soyons capables de budget. Parce que le budget n'est pas fait seulement avec dépenses, il fait surtout avec recettes. Et ces recettes, je ne parle pas de dépenses. C'est pour répondre à la désirata de ma revendication. Et les 6 mois après, pourquoi vous payez les gageurs parce qu'il a bloqué pour nous. Alors il y a 2 mois pour faire. En même temps, il y a des gens qui ont 10 ans, 15 ans, c'est quoi? Nous réduisons à 2 ans, 2016, 2017, 2017, 2018. Et même depuis 15 ans, on va payer 2016, 2017, on paye 2017, 2018. N'allégez pas. Parce que dans la majorité des cas, surtout les nouveaux quartiers, c'est des gens qui ont 5 ans, 10 ans. Vous ne pouvez pas payer, vous pouvez ignorer le gouvernement la même. Donc, dans 2016-2017, 2017-2018, vous avez jusqu'au 30 avril pour faire. Passer le 30 avril, vous pouvez tout sur le jour. Donc, il y a moyen pour nous faire bien. Vous pouvez vous garder qui ça fait avec comme vous. Donc, c'est le jouet. Donc c'est sous base à mon fils, les premières parties de confiance, nous parlons d'une amitié nationale qui est importante. Et surtout avec des délégations de faire sous Chili, qui ont fait tourner la vie hier. Et bien content, nous avons mis le groupe sur le village de Bressa avec M. National. Ce M. National, lui, concerne le fonctionnement du président de la République, le gouvernement, et chaque monde qui a fait politique des droits et positions. Même manifestation de patience et de coopération que nous observons sur le plan local par rapport au conseil municipal de Caire, nous observons sur le plan national par rapport au président du pays, le président Junel Moïse. Alors, il y a deux rappels m'ont fait sur question ça. Le président Février 2017,
février 2018. Est-ce que le président fait assez montrer bonne volonté pour que d'amorcer, d'initier le changement en Haïti? Deuxièmement, président Jovenel, il y a un héritage qui est très lourd, que moi de Dieu, en deux dimensions. Le premier héritage, là, c'est 60 ans, nous sommes passés là. Et c'est 30 ans en dictature du Valier, mais il n'y a pas de politique de production. C'était la dictature, pas de grand-chose à faire, qui m'a payé le tiers. Et deuxième moment, 30 ans encore, malheureusement, c'est 30 ans d'anarchie. 1947-2017, 30 ans d'anarchie. C'est des ordres, c'est corruption, généralisée, etc. Et l'autre héritage du président Jovenel, c'est l'héritage du prédécesseur du président Mandela. C'est un héritage très lourd. On n'a pas de plaidé avec moi. Un an et même 5 ans, pas capable de suffire pour faire face à l'héritage. Dans un système, côté pas de l'État, ça a été choqué pour nous. On a étudié un système de chefferie. C'est pas parce que le président n'est pas le membre de magistrat qui fait l'État. Non. Nous voulons gagner l'État de même. Il faut qu'on bataille pour construire l'État de même. Mais il y a un système de chefferie désorganisé. Et chaque monde a des bouillons. C'est un système de survie politique. Malheureusement, encore, sur fond de corruption. Et ce système chef qui allait bien avec les sous-corruptions. Et corruption vient sur le moment, et bien l'autre, c'est l'individu. Ce seul pays, là, on fait tout sauver dans l'âge d'État. Il ne faut pas de personne. C'est ce pays, lorsqu'on arrive, on fait vos motions. Là, à côté, nous nous avons élu, la République dominicaine, le pays très corrompu. Mais en même temps, hein, on a élu contre la corruption. Ce n'est pas que la corruption va exister, la corruption existe de tous les temps et de tous les lieux. Parce que côté pas une corruption. Au Brésil, on a déjà pas passé, en Israël, en Europe, les chefs de gouvernement, les ministres, ont posé aux questions. Pour l'argent de l'État. Mais nous-mêmes, c'est une chose tabou, sacrée, pour nous qui doit poser question sur l'argent de l'État. Même depuis notre campagne, nous devons parler avec le président sur la question des pauvres. Malheureusement, il y a une très mauvaise gestion, une très mauvaise appréciation sur cette question. Et puis c'est très mal conseillé sur des choses qui ne sont pas arrivées. Et moi, je me dis, les choses qui ne sont pas arrivées, nous ne sommes pas capables de faire finir à elle. Non. Pas bien, mon ami. Nous ne sommes pas finir. Mais, nous ne pas capables de faire des choses qui ne sont pas arrivées de façon isolée. Il y a un système global de corruption. Pour oublier le rapport de Paul Denis sur gestion de la classe terre, de l'argent payé, de bien payé, n'oubliez pas. Trois pour oublier ces hiérarchies, l'argent ramassé pour nous, pour nous reconstruire le pays. Trois pour oublier l'aide publique au développement, l'argent pour communauté internationale qui investit en Haïti. Mais nous parlons comme nous. Ça fait que c'est une commission de vérité pour mener cette question-là. Y compris que nous arrêter. Actuellement, c'est le dernier coup. Et ça, c'est bataille chaque haïtien pour que le rapport de nous arrêter, c'est hiérarchie, le rapport du sénateur Paul Denis, pour ne pas jamais tenir. Non, il faut que nous parlions. Il faut qu'ils ont fait lumière sur nous. C'est sûr, ça capable de payer un nouveau départ. Parce que dès qu'on a l'État, tout n'est que zéro. Des crises de confiance, personne ne va faire, personne ne va faire. Population a guérison. Mais tout comme ça, le pouvoir passé. C'est nous-mêmes qui voulons que le passé. Donc, il veut, c'est nous-mêmes, ouais, payer à l'infrastructure. Même si c'est nous-mêmes doués, environ 32 milliards de dollars.
Mais où est le 2 milliards de dollars dans la rue? Pourquoi? Mais nous-mêmes, tout comme ça, on va passer le pays. Hein? Et puis je dis à une situation ça. Malheureusement, nous ne devons pas monter aux missions. Il y a trop de suspicions sur nous. Ça veut dire que ni les médias, ni les populations, ça ne fait pas rapport aux confiance. Ni le rapport qui prépare par le sénateur Louis Laberge, pas de bon souvenir. Ni le rapport qui prépare, le dernier rapport, par le sénateur Valéon Boublon, sénateur Nenel Kassi, sénateur John Gato, sénateur Eve. Nous ne pouvons pas prendre rapport là aussi. À quoi on a raison des suspicions sur nous ça. Deuxièmement, c'est là pour contrôler qui est attribution de contrôle de l'argent d'un dépensier. Même si on a déjà bénéficié, tout à fait un projet. Donc, je dis à eux-mêmes, c'est pas eux qui pourraient résoudre le problème. La Cour suivait des comptes lui-même, c'est l'investisseur. C'est le Cour suivait des comptes qui fait préparer la voie là. Pour expédier le Parlement, expédier au Sénat, c'est le côté là. Alors qu'il y a des juges de la Cour supérieure des comptes, et puis les rapports là, je dis à nous tout. Et la Cour supérieure des comptes, voilà lui-même, c'est regardé comment la reine d'État a dévancé qui vaut la Cour supérieure des comptes, le crime ça a eu l'affaire. Donc vous voulez vous éviter que Chaudia nous fait exprès pour éviter. Parce que si par exemple qui sortent, par exemple les gens qui sortent, non, il n'y a pas calculé. Il faut qu'il y ait une bataille politique qui fait pour qu'elle nous fasse lumière sur faillite ça a payé à faire, et qu'il y ait des crimes économiques et financiers, des crimes politiques qui commettent dans la faillite. Tout rapport ça a fait seul comme document du travail pour que le président de la République a formé une commission de vérité qui pour faire lumière sur les choses. Aussi simple que ça. Ce n'est pas pour pas dire, ce n'est pas une bataille. On va continuer là. Lorsque on a une famille, on a marié la caille. Ou pas madame, mon corps, il dit pour faire couper, finalement, comme la fille, il y a une explication. Ou bien Marie a fait un paquet de corps, a touché pour l'argent, l'école, si on n'y a pas payé, pas qu'il n'y a pas acheté, pas qu'il n'y a pas fait. Mais madame, il m'a dit, mais si on fait un problème. Mais c'est de ça qu'on parle là. De la part d'Haïti, sur le plan macro. Il n'y a pas quelque chose qui rentre dans le pays. Et je dis à le pays, à la situation, ça, il est temps pour nous faire le bien. Nous avons accepté que nous tous, c'est des voleurs qui nous commencent à ensemble. Parce que je dis à l'hypernicieux pour nous tous. L'hypernicieux pour nous tous, ça passe. Mais nous ne pouvons pas enterrer. Si nous enterrons, ça passe. Méfiance là, continuer. C'est là que le président est très mal conseillé sur cette question ça, parce que d'autant plus, le président Jovenel n'a pas eu à voir avec quoi par avec le parité. Tout le monde connaît les conditions, on mettait deux phrases pour lire un rapport. Pour qu'on dit quoi, on mettait deux phrases. En tant que président de la République, vous pouvez population ça. Parce que la situation du président Jovenel est là, l'obligé de faire éclairage. Parce que le journal Pakistan de l'Ougaï de la mer, elle publie la communauté internationale de Kumbaya. Il y a un pont où il y a eu. C'est là le trésor public là, le petit mec. Cochon à baguette de presse. Cochon à baguette de presse. Donc, ce climat de méfiance, nous va gagner maintenant renforcé. Et même si on a fait des états généraux, tant aussi longtemps, nous n'avons pas fait lumière sous comme ça nous passer dans le pays. Nous n'avons pas ressuscité la pauvre de l'Union. Nous n'avons pas dit l'argent, c'est l'IRH qui va le passer. Nous n'avons pas dit l'argent, mais nous n'avons pas dit qui va le passer. Fixer les responsabilités. Et puis finalement, renforcer les institutions de contrôle. Parce que ça passait à le passer, ou bien avec négligence, ou bien avec publicité. Toutes les institutions de contrôle, Parlement, Cour supérieure des comptes, l'ULCC, etc. Tout. Donc, position claire sur le sujet.
ça va le conduire sur un ensemble de dossiers bon, qui est dépendant. Disons, bah, pour ça fait, si on a parlé de crise, il y a une petite crise là-dedans, là, pour qui ça fait, le conseil électoral permanent va monter. C'est constitution, c'est trois pouvoirs, constitution amendée, parlement, exécutif, avec judiciaire, tout plat. Et élection, renouvellement, tiers sénat arrivé, nous sommes en 2018, donc nous n'avons pas besoin de mettre abscès sur nous. L'île est pour gagner un conseil électoral permanent et l'île est pour organiser des élections périodiques, j'ai constitution mandat là, pour renouveler le tiers sénat. Le pape Kamete m'a dit, non. Quand je suis pas changé, c'est une question chimique. Position pas même plus fort, c'est une question chimique. À court et à moyen terme, le pape a beaucoup plus jeune pour un. Ni moi-même dans l'Union, mettre les députés avec le sénat de l'Union, qui sont pas aujourd'hui. Lorsqu'on met 400 jeunes, il fait campagne pour un département, on va aller 10 dans la condition de l'on est. Mais il doit se faire 10 pour pouvoir aller. Un bon défi pour aller pour se faire 10. Pourquoi pas? C'est vrai, il y a un rapide monde qui va dans la retraite, il faut parler de 12 000. Mais là, pas des 12 000 jeunes qui ont intégré l'administration publique là. C'est presque une goutte d'eau dans le ciel. Pas pour présenter quelque chose. Mais c'est pas ça qui nuit. C'est tout les politiciens de ma gauche fait avec les sujets. C'est comme si c'est Gabriel Fortuné qui était contre faire monde qui débéillait en 70-60 dans le New York à le travail. Et je dis à qui est-ce qui a bénéficié de milliards de dollars, c'est monde qui est à New York, en Amérique du Nord en général, à le travail. Dans le cas contraire, nous avons besoin 500 gouttes, 600 gouttes pour un dollar américain, si ce n'est pas 2 milliards de dollars, ça va être un pays en termes de pression. Le Canada a pris un monde, maintenant derrière le balai, on dit une belle bagaille. Et je dis à ces Chili qui a pris un monde, il balai parce que dans tête, nous, Chili c'est un pays qui semblait avec nous. Il va avoir découvert. Chili c'est un pays avancé, un pays développé. Et qui est capable de prendre un monde, là, de monde. C'est une opportunité pour nous, pour jeunes dans le pays, pour le gouvernement, pour tout le pays. Il faut que je ne pas hésiter à chercher la vie, pour dire la vie. Parce que nous ne pouvons pas mettre la vie dans le pays. Nous ne pouvons pas continuer à pas nous mentir. Nous oublions la République dominicaine, on a parlé de Chili. Combien d'étudiants haïtiens dans la République dominicaine? Et pour qui c'est la République dominicaine? Et cette fois-ci, il dit mal, parce qu'il faut de l'argent en République dominicaine. Parce que nous n'avons pas d'université là-bas. Donc, l'université n'est pas là. Nous n'avons pas d'offrir offrir un niveau de qualité de l'enseignement qui permet que les petites classes soient là, il y a là-dedans. On ne va pas parler des petits charlatans qui disent là le bord de toute qualité de l'université. C'est une loi. Donc, on va obliger que petit Timari, qui vient nous opportuner de Chili, je dis, pour ne pas parler. Il faut l'aller. De l'année, il va passer misère vers là, il n'a pas pris du métier, et demain, il va être utile à Haïti. Et pendant le droit, il y a un pays qui commence à être utile. Quel politicien qui dit c'est parce qu'il y a des problèmes avec le président Jovenel? Non! Il n'y a aucun problème avec le président Jovenel. Il va en face le président Jovenel, il va jamais en face le président Jovenel. Lecture est différente. Et lecture est différente.